Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous suivez Face à Face. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. C'est vrai que les consultations viennent de commencer, mais il est important de revenir sur des questions qui ont causé cette coalition, disons ces consultations, que certains confondent avec le dialogue, ainsi de suite. Je reçois sur ce plateau un éminent professeur. Il est avocat, il est politologue, il est internationaliste, si j'ai bien dit. Il est enseignant dans au moins deux facultés. Il enseigne en droit, mais aussi en relations internationales, c'est-à-dire en sciences politiques. On parlera de ça avec lui aujourd'hui. Je vous rappelais que parmi les précurseurs de cette histoire du banditisme parlementaire, il fait partie. Il avait décelé avant les signes précurseurs de la bancalisation, si je peux dire ça, du Parlement. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette question avec lui. Bon, et puis on va essayer un peu de parler de tout ça. Lui, c'est le professeur avec qui nous allons discuter sur cette question. Mais il faudrait d'abord que je mette les cadres, comme on peut dire. Est-ce que nous allons nous en sortir avec tout ce que nous entendons? Professeur Tshilumbaï, bonjour. Bonjour, professeur. Vous allez bien, je crois. Oui, je vais bien. Le paysage politique, est-ce que nous allons nous en sortir? C'est la question, d'abord. Oui, nous allons nous en sortir, pourquoi pas. On dirait pas, hein? Non. Je crois qu'il y a eu une grande évolution par rapport à la situation que nous avons connue il y a bientôt 2 ans et que nous étions dans cet imbroglio où, concrètement, les gens, de nombreuses personnes, ne savaient pas clairement définir leur rôle par rapport à la redistribution de compétences dans ce pays-là. Il y a 9 mois, je crois, jour pour jour, nous avons eu un échange ici avec toi sur la question précise de sortie impromptue et parfois pas très vérifiée des autorités, notamment de l'Assemblée, du Parlement. Il s'agissait cette fois-là de l'honorable présidente plutôt de l'Assemblée nationale. C'était, comment dire, pièce contre pièce. Oui, pièce contre pièce. Dissolution contre destitution. Je crois, moi, j'avais pris suffisamment mon temps pour promettre d'ailleurs, à cette époque, je t'avais dit que lorsqu'il arrivera le moment de parler de la destitution, nous allions démontrer qu'elle n'était pas un exercice facile. Et d'ailleurs, elle n'est pas prévue par notre constitution, en fait. Comment ça, la destitution n'est pas prévue? Elle n'est pas prévue par notre constitution. Comment ça, un président n'est pas tout permis, quand même? Mais écoutez, pour avoir érigé la haute trahison en infraction et avoir institué le juge constitutionnel comme juge pénal du chef de l'État, tout en ne définissant pas le degré du dol qu'il faut considérer pour établir cette infraction, je crois que le constituant de 2006 avait prévu qu'il n'y ait pas possibilité que le président de la République de la RDC soit destitué. Et pour preuve, tu l'as vu, lorsque nous avons commencé la discussion ici autour de la qualification de cette infraction, lorsque par exemple
Les uns vous disent il y a eu violation de la Constitution, les autres vous disent il n'y a pas eu violation, les autres vous disent il y a eu violation intentionnelle, et que lorsqu'il s'agissait maintenant de définir la ligne de démarcation entre violation et violation intentionnelle, tu as constaté que les gens n'étaient pas en mesure de dire quand est-ce qu'il y a violation et quand est-ce qu'il y a violation. Alors dites-nous, parce que je rappelle que, vous êtes avocat et aussi vous êtes député provincial. Dans les deux casquettes, législateur, avocat, dites-nous, c'est quoi la ligne de démarcation? En clair, le constituant n'avait pas prévu la possibilité que le président soit destitué. Parce que lorsqu'on vous dit, je l'ai déjà dit ici autant de fois, je crois qu'aujourd'hui on parle d'autre chose, lorsqu'on vous dit qu'il faut qu'il y ait violation intentionnelle de la Constitution qui suppose un dol avéré, mais cette fois-là, je vous ai déjà dit qu'il faut qu'il y ait un comportement qu'on définit comme étant une violation intentionnelle de la Constitution. Oui. Et pourtant, on ne violerait pas quand même la Constitution par le comportement. Mais s'il s'agit des actes que le président prend, comment il violerait la Constitution, je l'ai dit ici, par les actes qu'il prend, qui sont pourtant des actes prévus, comme rentrant dans ses compétences avec des garde-fous nécessaires, qui ont été posés en amont et en aval, pour éviter que ces actes violent intentionnellement la Constitution. En amont, c'est l'hypothèse du contrôle constitutionnel, contrôle de la constitutionnalité, qui intervient pour certains actes, notamment, on l'a dit ici, les actes prévus à l'article 145 de la Constitution, en ce qui concerne l'état d'urgence, ou l'état de guerre, ou l'état de siège. Le juge doit les contrôler en amont, et puis en aval, ce sont des actes que le chef pose, le chef de l'État pose, mais qui sont susceptibles du contrôle du technicien, du connaisseur du droit, qui vient dire s'ils sont conformes ou pas avec possibilité de les réformer, de les invalider, de les annuler. Alors, lorsque le président pose ces actes-là, vous direz à quelle occasion qu'il a violé la Constitution pour des actes susceptibles du contrôle juridictionnel. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai dit, ce qu'il ne voulait peut-être pas entendre, que notre Constitution ne prévoit pas la possibilité que le chef d'État soit destitué. Mais elle prévoit la fin des fonctions. Ce sont des dispositions. Ou l'interruption d'un mandat. Ce sont des dispositions d'ornement. C'est-à-dire, il fallait donner de la beauté à la Constitution, donner du sens, démontrer qu'elle était vraiment au-dessus de tout le monde. Parce que ce qu'il avait conçu, il l'avait conçu pour un individu, en effet. C'était des dispositions d'ornement. Mais dans les faits, c'est impossible d'y parvenir. Et même quand bien même on arrivera à établir une telle infraction, vous voyez les procédures qui mènent à la décision du président sont quelque peu très compliquées. Alors, surtout lorsque ça nous ramène, comme on le dit, à la procédure ordinaire, c'est-à-dire celle du code pénal ordinaire, ça devient davantage compliqué. Je voudrais qu'on revienne sur la question, qu'on entre directement d'ailleurs, pourquoi pas. Parce qu'il y avait deux hypothèses, il y avait l'hypothèse de la destitution, à côté il y avait l'hypothèse de la dissolution. Et c'est sur cette question-là que beaucoup ont appelé aussi de la même manière que vous. Ils ont dit aussi la dissolution est chimérique, c'est une rêverie. C'est pas possible que le président arrive à dissoudre parce qu'il y a une condition. S'il dissout, il faut qu'il organise les élections dans le temps prévu par la loi. Ce n'est pas le président qui organise les élections. Il y a distribution de rôles dans l'État. Le président, son rôle, c'est de dissoudre. Lui, il dissout. Les élections, c'est la CENI qui les organise et c'est des financements de l'État, ça ne vient pas des poches du président. Alors, ils ont la majorité parlementaire, donc ils peuvent rapidement... On ne peut pas prétendre aujourd'hui que le président ne peut pas dissoudre parce qu'il n'organiserait pas les élections comme si lui, il est la CENI. Non, mais... Nous avons appris dans ce pays, lorsqu'il n'y a pas eu organisation des élections en 2016, on nous a dit que le président n'organise pas les élections. Aujourd'hui, c'est le président qui organise les élections. Donc, Kabila devient votre modèle, alors? Ce n'est pas un modèle, non, mais... Tous ces comportements avaient été scellés, coulés en une jurisprudence cristallisée de la Cour constitutionnelle. Que vous n'hésiterez pas à vous en servir. Il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, nous n'avons pas besoin de nous en servir. En fait, ici, la question qu'il faut se poser à ce jour, c'est qu'on parle déjà de concertation. À la base, c'est quoi le problème de consultation? Je crois que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Les questions de droit, au fond, nous les avons déjà engagées ici. Non, mais il reste encore une question. Il n'en reste pas. J'ai l'ouvrage. J'ai l'ouvrage ici du professeur Jacques Ndioli. Oui. C'est la doctrine, ça. C'est la doctrine du professeur Jacques Ndioli sur cette question de dissolution.
c'est toi qui m'as dit qu'autrefois, lui n'était pas suffisamment d'accord avec moi. Je n'avais pas suivi l'émission. Non seulement ça. C'est vrai. Non seulement ça. Il a dit que les juges nommés par le président de la République, c'était une violation de la Constitution. Le professeur Jacques Njoli l'a dit devant les membres du PPRD. Il était invité et il a dit que c'était pas bien. C'était pas dans le droit. Alors, vous le citez, allez-y. C'est une opinion. Oui. Non, mais c'est un professeur de droit constitutionnel. C'est une opinion d'un savant. Moi, je ne peux pas contredire son opinion, mais nous sommes déjà là dans les points de vue qui sont d'ordre doctrinal. Mais ça doit se dire par le juge. Ça doit se dire par le juge. Parce que moi, j'ai lu dans cet ouvrage « Droit constitutionnel congolais, expérience congolaise ». J'ai lu dans cet ouvrage que le professeur Njoli, c'est un livre très récent, d'ailleurs la dernière version en date, il déclare dans ce livre que la dissolution de l'Assemblée en droit congolais, c'est un acte propre donc au chef de l'État. C'est un pouvoir propre, ce n'est pas un pouvoir de partage avec le Premier ministre. Il dit qu'il n'y a pas de contre-saint. Je crois que... Pourtant, il y en a, vous le savez, que l'ordonnance portant dissolution doit avoir un contre-saint. Est-ce qu'il doit avoir un contre-saint, cet acte-là? J'ai dit que moi, je tire ça de cet ouvrage. Oui, mais vous êtes professeur aussi, dites-moi. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de contre-saint. C'est toi qui m'as dit que lui disait le contraire. Non, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le professeur disait qu'il fallait toute une procédure. Non, j'ai dit qu'il n'y a pas de contre-saint. C'est un pouvoir propre au chef de l'État. Lorsqu'il dissout l'Assemblée, il agit comme arbitre des conflits interinstitutionnels. Il n'a pas besoin de contre-saint. Et comment un arbitre des conflits interinstitutionnels, lorsqu'il arbitre les conflits, il a besoin d'un juge autre qui vient arbitrer son arbitrage. Donc, le contre-saint du Premier ministre deviendrait l'arbitrage sur arbitrage du chef de l'État. Donc, il n'y a pas de contre-saint. C'est ce que le prof Djoli dit, contrairement à ce que toi tu as semblé dire qu'il a dit, il dit... Non, alors, on s'est pas compris. Moi, j'ai dit que le professeur Jacques Njoli a dit qu'il y avait beaucoup de mécanismes pour arriver à la dissolution. Non, il n'y en a pas. C'est un pouvoir discrétionnaire et le juge de la crise, c'est le chef de l'État. Je crois que ce débat, nous l'avons déjà eu. Mais comment le gouvernement peut être en conflit avec sa mère? Parce que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Comment vous pouvez imaginer un conflit entre les deux? C'est scientifiquement impossible. Alors, ce libellé est formulé de la même façon dans la Constitution française aussi. J'ai dit que c'est scientifiquement impossible parce que le gouvernement ne peut pas entrer en conflit avec l'Assemblée. Comment on peut l'expliquer? Oui. S'il y a conflit entre gouvernement et Assemblée, l'Assemblée a des instruments très efficaces lui dévolus par la Constitution qui s'appellent motion de censure ou de défiance. Oui. Et elle frappe individuellement ou collectivement, vous tous. Alors, comment vous allez, vous, gouvernement, vous dresser en adversaire de l'Assemblée alors qu'elle a cet instrument qui, elle aussi, n'est pas sujette, n'est pas sujet à des contrôles efficaces dans la Constitution parce qu'on dit l'Assemblée dissout. L'Assemblée révoque. Mais comment vous expliquez la dissolution, alors, l'hypothèse de la dissolution? Elle vient d'où? La dissolution vient d'un conflit perpétuel. Entre qui et qui? Il faut qu'il y ait crise perpétuelle. Entre qui et qui? La crise, elle est institutionnelle. Je vous ai toujours dit, j'étais déjà dit ici, que la notion de crise persistante n'est plus une notion que nous, les enseignants, nous, les avocats, que la doctrine doit s'efforcer à définir. En droit congolais, elle est définie par la loi. La définition existe. Oui. Ça signifie qu'à partir du moment qu'il y a risque de perturbation du bon fonctionnement des institutions, le président peut dire qu'il y a crise persistante. Alors, mais là, vous risquez de les envoyer tous dans leur... Les institutions, là, attention, on ne cite pas que l'Assemblée, on dit risque de perturbation du bon fonctionnement des institutions de l'État. La loi qui définit cette notion-là, bien que portant sur la libre administration de province, ne parle pas des institutions provinciales. Elle parle des institutions de l'État, qui suppose la Cour constitutionnelle aussi, parce qu'elle chapeaute, en tout cas,
quoi que l'on dise, l'institution judiciaire. Mais qu'est-ce que l'Assemblée a à voir si la Cour nationale a des problèmes, vous allez discuter de l'Assemblée nationale. La dissolution intervient lorsqu'il y a risque de perturbation du bon fonctionnement des institutions. Je t'avais même dit que cet élément n'est qu'un élément isolé, parce que si tu lis cette loi, en donne autant, et que la qualification de la crise ne vient pas du cumul de ces éléments-là, c'est alternatif. Chaque élément décrit par cette loi peut définir la crise persistante et puis on peut dissoudre l'Assemblée. D'ailleurs, d'où nous avons tiré cette leçon, même si j'ai entendu les gens dire ici que nous ne sommes pas du même droit que les Français, ce qu'ils contestaient en fait dans la différence entre nous et la France, c'était le fait que la prise en charge de l'ordonnance de dissolution par la Constitution française réglait le problème par rapport à nous. Mais ici, la doctrine nous permet de dire que la compréhension, elle est celle-là, parce que lorsqu'on parle ici, c'est 168, je crois, 188, lorsqu'on parle des pouvoirs propres au chef de l'État, c'est page 188. Le livre du professeur Jacques Angeli. Oui, oui, oui. Je peux lire la partie. Vous pouvez lire ici, pouvoirs propres au chef de l'État. D'accord. Alors, le professeur Angeli dit, devant jouer le rôle d'arbitre au-dessus des contingences politiques, il doit disposer à titre exceptionnel des pouvoirs particuliers pour exercer sans contre-saint efficacement cette mission d'arbitre. Pour exercer sans contre-saint efficacement cette mission d'arbitre et des garants en cas de crise. Quels sont les éléments? Je crois que... Pouvoir propre, lisez. Oui, pouvoir propre. Sans contre-saint. Sans contre-saint. Ok. Et puis c'est en cela qu'il est la clé voûte des institutions. Voilà. Selon Michel Debré. Voilà. Ces pouvoirs propres, lorsqu'il les énumère... Mm. Il y en a ici, article 148 de la Constitution congolaise, pas française. Prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Sans contre-saint. Est-ce que tu lis bien? Oui, bien, on comprend. Mais la question, professeur, je vais bien. Non, j'ai dit, tu as bien lu. J'ai bien lu, mais... On parle donc... de l'article 148 ici. 148. Oui, mais expliquez... Ce n'est pas en tout cas l'article 12 ou 18 ou 19 de la Constitution française. Mais expliquez-nous alors, c'est dans quelle hypothèse cette logique se tient? Est-ce que c'est dans l'hypothèse où le président est d'un autre bord que la majorité parlementaire, ou c'est dans l'hypothèse où les présidents et la majorité parlementaire... Le président peut dissoudre même sa propre majorité. Oui. On vous a dit qu'en France, Jacques Chirac, lui, pouvait dissoudre par pire opportunisme. Il s'est dit, il me faut organiser des élections législatives en cette période parce que j'ai de l'ancrage sur terrain, j'ai opinion sur rue. C'est ça le moment pour moi de gagner l'Assemblée. Il dissout. Comme cette décision qui est un pouvoir propre n'a pas de juge, j'insiste, parce que j'ai entendu les gens dire, bon, on va aller, tout ça, ça n'a pas de juge. Et si je vous oppose un livre qui dit le contraire? Ça serait un débat des doctrinaires. Moi, c'est pas ça que je suis venu dire, madame. Tu m'as invité pour autre chose. Tu insistes sur ça, pourquoi? Alors, on évolue. Vu comme cette décision n'a pas de juge si le président dissout. Mm. Parce que, en droit comparé, la jurisprudence française, de manière perpétuelle, depuis 1886 jusqu'à récemment, 1989, le Conseil d'État français a eu à répondre aux velléités qui tendaient à attaquer les décisions de dissolution devant le juge en disant que le juge administratif qu'il était n'avait pas qualité de connaître d'une ordonnance du chef de l'État agissant comme arbitre du bon fonctionnement des institutions. Et le juge ne s'arrêtait pas là. Il n'a pas dit pas seulement le Conseil d'État, il a dit n'importe quel autre juge. Parce que cette décision s'appelle acte du gouvernement. Alors, et que le droit comparé chez nous ici, lorsqu'il y a silence de toutes les autres sources de droit pour éviter au juge de s'exclure ou de se priver de son obligation de rendre la justice, il recourt aussi au droit comparé qui tient office, en tout cas chez nous ici, des principes généraux des droits. Vous avez dit qu'on passe à l'autre question. Voici les débats aujourd'hui. Le débat se trouve au niveau de la... D'abord, ça a commencé le jour de la prestation de serment des juges. On va en parler si vous le voulez. Le Premier ministre a obéi au dictat de son parti politique et il a donc désobéi au président de la République. Les députés,
les membres du FCC ont soulevé l'hypothèse selon laquelle le chef de l'État ne peut pas révoquer le Premier ministre sans sa démission. Monsieur le professeur, vous êtes avocat, dites-nous ce que dit exactement la loi dans ce contexte-là. Quand il y a conflit ou quand il y a des amours entre le Premier ministre et le Président, dans le contexte de notre Constitution, que fait le Président de la République? Non, d'abord, il faut partir du conflit. Le Président a signé des ordonnances. Il n'y a pas eu que des ordonnances nommant les juges constitutionnels. Hein. Oui. Il y a des ordonnances mettant en place dans le haut commandement militaire qui n'ont pas été contresignées par le professeur Ilunga Ilukamba comme Premier ministre, mais qui ont été contresignées par le Premier ministre. Il y a des ordonnances ayant d'organisation judiciaire qui ont mis en place notamment la Cour de cassation au parquet, après la Cour de cassation au parquet, après le Conseil d'État et ailleurs, qui n'ont pas été contresignées par le professeur Ilunga Ilukamba, mais qui ont été contresignées par le Premier ministre. C'est quoi la différence avant de continuer? En vertu de l'article 90 de la Constitution, cet article prévoit... Voulez-vous que je lise? Oui. L'article, vous dites 90, hein? 90. Très bien. Nous sommes dans l'article 90. On dit... Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres, des vice-ministres et les cas échéants, des vice-premiers ministres, des ministres d'État et des ministres délégués. Point. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Point. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Expliquez. Voilà. En cas d'empêchement du Premier ministre, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. Qui n'est pas Premier ministre. On vous dit quand... Lorsqu'on dit son intérim est assuré, oui. C'est quel intérim? L'intérim du Premier ministre. L'intérim du Premier ministre. Oui. Ça signifie quoi? La Constitution ici n'écarte aucun pouvoir du Premier ministre qui soit de la compétence de l'intérimaire. Lorsqu'il y a un empêchement. Ça, on veut bien, mais ça ne fait pas de l'intérimaire le Premier ministre. Il est Premier ministre. Il faut définir. Nous avons des modèles dans notre pays ici. Ici, on vous dit en cas d'empêchement. Faites la différence entre empêchement de l'article 90 et empêchement définitif lorsqu'il s'agit du chef de l'État. Parce que dans l'empêchement définitif, la Constitution vous dit, le président du Sénat assure l'intérim du président de la République et limite ses fonctions, ses compétences. Il ne peut pas faire ceci, et les cas expressement de compétences auxquelles l'intérimaire n'a pas accès. Et donne aussi donc la durée. Des indisponibles. Elle fixe aussi la durée. Voilà ce que la Constitution dit en ce qui concerne le président de la République. Pour le Premier ministre, la Constitution dit qu'il assume l'intérim. Point et trait. Ça signifie quoi? Elle n'écarte aucune compétence du Premier ministre en cette période-là. Mais il ne peut pas nommer quand même. Est-ce qu'il peut nommer des ministres? J'ai dit pour le Premier ministre. Oui, pour le Premier ministre. La Constitution dit qu'il assume l'intérim. Encore que lui-même, le Premier ministre titulaire, ne nomme pas les ministres. Il propose. Est-ce que lui peut proposer son intérim? J'ai dit, la Constitution dit qu'il assume l'intérim. Ça signifie qu'à ce jour, l'empêchement tout court peut signifier que le Premier ministre tombe malade. Moi, je ne le souhaite pas pour le Premier ministre qui est mon aîné, mon prof par ailleurs. Je ne le souhaite pas, mais il peut tomber malade pour 10 mois. L'État ne va pas aller en vacances. Tout va fonctionner comme si nous étions dans un pays sérieux, ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Et tout a continué de fonctionner jusqu'à ce que le pire est passé par là, il est mort. Lorsque vous comparez cette disposition, pour que vous compreniez l'esprit du constituant, elle diffère, par exemple, l'article 64, alinéa 1er, de la Constitution du 1er août 1964. Donc, quel article prévoit exactement la possibilité que le Premier ministre s'absente? Mais dans cet article de cette Constitution, il est prévu que le Premier ministre lui-même pourvoie son absence-là en désignant la personne qui va le remplacer au sein du gouvernement, qui n'est pas forcément le ministre préséant. Il peut désigner n'importe qui et limiter probablement ses compétences. Ce qui a été corrigé. Ici, on a dévolu toutes les compétences du Premier ministre à son intérimaire parce que la même Constitution
si elle voulait dire le contraire, elle ferait ce qu'elle a fait dans le cas du président de la République. Mais ici, elle parle de l'intérêt. Est-ce que ce n'est pas de l'ornement? Est-ce que ce n'est pas simplement pour la beauté de la Constitution que l'on dit? Parce que ça s'est fait ici. Oui. Le Premier ministre s'est empêché, l'État ne va pas en vacances. Mais c'est justement, vous avez accusé d'avoir torpillé. Aucune légitimité ne conditionne la survie de l'État. Lui, il s'est mis à l'écart parce qu'il était en mission de l'État, une mission noble par ailleurs, et que pendant ce temps, l'État devrait aller en vacances en l'attendant, lui. Est-ce que vous avez entendu Joseph Kabila? Les ordonnances avaient été signées en bonne et due forme. Mais ça, c'est vous qui le dites. Les ordonnances avaient été notifiées en bonne et due forme. Les remises et reprises ont eu lieu partout, sans problème, y compris dans l'armée, là où les gens détiennent les armes. Oui, mais ça ne veut pas dire... Ils ont regardé, ils ont dit la Constitution est respectée, ils ont procédé à la remise. Est-ce que vous avez entendu, Joseph? Maintenant, lorsqu'arrive le moment de la Cour constitutionnelle, voilà le problème. La Cour constitutionnelle, il faut dire qu'elle est particulière. Vous avez suivi très récemment là, l'honorable Lambert Mende, un homme qui désormais sait dire ce qu'il croit. Il s'est apparemment un peu affranchi de cet obscurantisme. Quand ils parlent bien de vous, ça s'agit. L'honorable Lambert Mende a alerté la communauté nationale et internationale sur le fait que la Cour constitutionnelle, dans sa composition d'une certaine période jusqu'il y a peu, était une section du PPRD. Ça signifie qu'elle était un instrument, un organe, comme les autres organes du PPRD et au service du PPRD. Parce qu'il a dit avec bonne foi et volonté à la communauté nationale qu'attention, nous avons, nous, cinq juges qui appartiennent à Joseph Kabila. Lorsqu'il accuse même son collaborateur de tenter une action qui ferait perdre le bénéfice de ces cinq juges au FCC, en faveur du cash, parce qu'il y avait une action en prise à partie contre quelques juges de la Cour constitutionnelle. Et ça, dans un pays sérieux, on n'en pleure pas. Il n'y a pas de pendaison publique, des gens qui se repentent, qui regrettent d'être venus au monde, qui regrettent la honte dont ils ont habillé l'État en disant publiquement que la Cour constitutionnelle était dans leur poche. Non, mais dans un pays normal, à Rome antique, là, on aurait des pendaisons. Oui, on aurait des pendaisons. Il y aurait des gens du FCC, pour autant que Lambert Mende a dénoncé ça, qui se couvrirait de sérieusement de honte et qui irait se pendre pour disparaître. Oui. Parce que moi, je ne vois pas comment tu es un responsable de l'État, tu es un ancien président de la République, tu es un député, tu es un sénateur, tu es un président de l'Assemblée, un président du Sénat. On dit à la place publique que tu instrumentalises la Cour constitutionnelle et que tu as des juges qui sont acquis à ta cause, tu rentres dans ta maison, tu regardes tes enfants en face, vous mangez, tu ris, vous souriez. Ça doit être un deuil si on est un homme normal. Mais ils ont voulu faire passer ça inaperçu et justifier que le monde devrait continuer de vivre dans cela de manière silencieuse. Non, le problème, je crois que le Conseil supérieur de la magistrature, usant de ses prérogatives, des prérogatives lui dévolu par l'article 82 de la Constitution de la République, s'est penché sur la question. Il a trouvé qu'il y avait des aménagements nécessaires à faire de ce côté-là et que lui, il a proposé au chef de l'État. On a beaucoup de choses à dire, c'est vrai, voilà. Qu'on ne restera pas là. Maintenant, mais est-ce que vous avez entendu Joseph Kabila? Il dit que vous, aujourd'hui, vous avez attendu que le Premier ministre se déplace pour que vous puissiez, un peu comme pour dire, sourdinement nous faire signer le contre-sein à un membre du gouvernement. Vous l'avez fait sournoisement. Une façon pour lui de dire, oui. Vous n'agissez même pas comme moi. Oui, oui. Moi, j'ai signé même à sa présence, j'appelle qui je veux, un courtisan et le contre-sein. Ça, c'est vous qui vous attendez qu'il parte. C'est ça qu'il voulait dire. Non, mais ça, c'est vous. C'est-à-dire, vous, au lieu de faire comme moi, je faisais là, Tshibale, Premier ministre, il est assis avec moi au bureau, j'appelle chez Okitundu, il contre-signe, et puis je dis à Tshibale, va lire, il va faire lire. Vous vous faites autrement. C'est ça qu'il nous reproche, en fait, la lâcheté. Il nous reproche de n'avoir pas agi comme lui. C'est-à-dire... En violant la loi. Non, de mettre le Premier ministre de côté, d'appeler un ministre de son choix, et puis il contresigne, et puis on donne au Premier ministre, on dit... Mais lui, il le faisait de mauvaise foi, pour humilier la République, pour insulter la nation,
pour insulter le Premier ministre, parce que c'était ses lèche-bottes. Mais le président Tshisekedi ne l'a pas fait de mauvaise foi. Il a lu la Constitution, article 90 de la Constitution, qui lui dit qu'il y a un Premier ministre de manière permanente. Le Premier ministre n'est jamais absent. Le Premier ministre est permanent. C'est-à-dire, parce que s'il va aux toilettes, il est empêché. Vous faites la... Le ministre préséant, il signe. Il faut le signe. Donc, vous faites la différence, la démarcation entre le Premier ministre comme ce qu'on peut appeler comme institution organique et le Premier ministre comme individu. Oui. Alors, l'institution ne va pas en déplacement, ça ne bouge pas, ça reste l'État là. L'État n'est jamais en vacances, l'institution est là. Mais la Constitution ne le dit pas, vous reconnaissez. Elle le dit dans cet article. Elle dit en cas d'empêchement. Et je t'ai dit, lorsque, ça, c'est votre déduction. Lorsque tu étudies l'empêchement, tu lis l'empêchement, tu comprends l'empêchement, je t'ai dit que c'est différent de l'empêchement définitif. Mais je veux le lire où, l'empêchement? L'empêchement, nous sommes dans quelle notion? Droit administratif, bien évidemment. C'est tout simplement cette incapacité momentanément à agir. On est empêché. Même lorsqu'on est dans sa maison, on a des fièvres, on ne sait pas arriver au bureau, l'État ne vous attend pas. L'État doit fonctionner parce que les urgences auxquelles l'État doit répondre ne ressemblent pas à vos besoins. Diriez-vous ça si vous étiez à l'opposition aujourd'hui? Allez-vous dire la même chose? Moi, lorsque les lois sont respectées, je pouvais dire quoi? Très bien. Alors, on va poursuivre ça. Alors, finissons la question de la démission du Premier ministre. Parce que c'est là la question. Il met fin, mais puis après on dit... Sur proposition, disons, sur présentation de sa démission. Dites-nous. Lorsqu'on vous dit que le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur présentation de sa démission, de la démission de ce dernier. Exact. Premier ministre. J'ai entendu des gens qui disent, moi je regarde la caméra, j'ai entendu des gens qui disent non, le président de la République n'a pas le droit de faire démissionner le Premier ministre. Mais écoutez, ça peut signifier concrètement que le Premier ministre démissionne quand il veut, n'est-ce pas? Oui. Comme il démissionne quand il veut, on peut même arriver à la fin du mandat, comme Tshibalété là, il dit, bon, je ne démissionne pas, je reste. Non, ce n'est pas ça la ratio legis de cette disposition. Ici, lorsqu'on dit le président met fin aux fonctions du Premier ministre, c'est-à-dire il le démet, et que c'est par élégance, je dis bien administrative, qu'on dit au Premier ministre, viens me déposer ta démission. Qui prend l'acte en premier? Le président prend langue avec le Premier ministre. Mais le Premier ministre lui-même aussi peut démissionner, comme dans cette hypothèse. Mais il ne peut pas parce qu'il est soutenu par sa famille politique. Je vais y arriver. Okay. Donc, ça peut être de l'initiative du président seul qui lui dit, viens déposer ta démission. Il dit, bon, je ne le fais pas. Lorsque tu ne le fais pas, je dis maintenant, nous avons 2 semaines, il y a 2 semaines qui s'écoulent. Pourquoi il ne tient pas de conseil des ministres, lui qui ne le fait pas? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Premier ministre. Ça signifie que lorsque tu ne le fais pas là, on peut même le tenir sans toi. Parce que toi, tu ne veux pas démissionner. On peut tenir ce conseil des ministres là sans toi. Mais qui répondra devant le Parlement? Comme on en a tenu sans le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de la Justice ici. Qui va répondre devant le Parlement? Le Parlement, c'est le gouvernement. Quel gouvernement? Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le gouvernement n'est pas un homme, professeur. Et lorsque le Premier ministre sera empêché, tu connais comment ça fonctionne. Ah, quelqu'un d'autre ira le faire. Il ira répondre. Très bien. Alors, aujourd'hui, donc vous voulez nous dire aujourd'hui que si cette situation persiste, le président peut engager, je veux dire, peut appeler ou convoquer la réunion des ministres. Mais parlons-en. Les ministres viennent sur proposition du premier ministre. Ils appartiennent à la famille politique du FCC. Et si les ministres boudent le président de la République, parce qu'ils l'ont déjà fait, le président est allé recevoir le serment des juges sans ces ministres-là. Alors, si nous gardons la même énergie, la même hypothèse, qu'est-ce qui va arriver? D'abord, il faut noter qu'il n'était pas invité au serment du juge, donc invité légalement. Il pouvait être invité par le chef de l'État parce que c'était sa manifestation. C'est la manifestation du président de la République. Il pouvait les inviter. Et l'invitation n'est pas une convocation. Ils ont choisi, ceux qui ont choisi de ne pas être là, c'est leur liberté. Parce que cette manifestation avait des invités légaux. Entre autres, l'Assemblée, le Sénat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature au terme de l'article 10 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, et ses invités légaux étaient là. Et le parrain, le chef de la manifestation qui devait recevoir le serment de juge,
il a reçu le serment des juges. Mais pour la beauté de la démocratie, la présence était importante. Non, la présence de qui? Des ministres, du chef d'état-major. Pas des invités légaux. On veut bien, mais pour la beauté de la démocratie. Pas des invités légaux. Oui. Si, moi, je ne sais pas s'ils étaient invités. S'ils l'étaient, c'était des invités du président de la République. Ils ont choisi de ne pas être là, c'est leur liberté. Mais la question fondamentale ici, ne pas seul d'accepter de participer au serment ou pas, c'est celle pour le Premier ministre de dire « Je ne reconnais pas la signature du président de la République ». Il évoque des raisons qu'il évoque, elles sont plusieurs. Moi, je ne veux pas revenir sur ça, on a déjà eu... L'article 28, je vous ai dit. J'ai dit que l'article 28, là j'insiste, je t'ai rappelé que moi, j'ai étudié 3 fois le cours de droit administratif. Pas parce que j'échouais, parce que je l'ai étudié dans 3 départements différents, avec des professeurs différents. La notion d'ordre diffère de la notion d'acte. Les actes administratifs, je t'ai dit qu'ils découlent de cette prérogative ou des prérogatives exorbitantes de pouvoir public, du pouvoir administratif. Donc la capacité, surtout les actes réglementaires, c'est une légifération en quelque sorte. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces actes, lorsqu'ils sont signés, parce qu'ils ne sont pas des ordres, ils bénéficient d'une protection spéciale, ce qu'on appelle le privilège du préalable. Ils sont supposés conformes à toute légalité établie jusqu'à ce que le juge les inverse ou les réforme. Ça signifie que lorsque une autorité administrative prend un acte formellement pris, qui s'identifie comme un acte administratif, on l'exécute. Lorsqu'on ne l'exécute pas, on est sanctionné comme un rebelle à la loi, ça c'est clair. Pour autant que le juge ne l'a pas encore inversé, on l'exécute. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour, par exemple, obtenir suspension d'un acte administratif. Ce n'est pas pour un chef d'institution ou pour une autorité administrative d'un rang inférieur d'aller dans des médias et dire « je n'exécute pas parce que le président a violé la loi ». Il y a le référé devant le Conseil d'État, par exemple pour les actes du président de la République. Ils peuvent aller en référé, suspension, ils peuvent aller en référé, liberté selon le cas, pour obtenir que ces actes ne soient pas immédiatement exécutés. Mais lorsque vous ne faites pas tout cela, vous ne recourez pas contre ces actes, formellement comme il est prévu par la loi, vous n'allez pas en justice contre, pour entreprendre ces actes devant le juge administratif, et encore que pour le cas des ordonnances du président de la République, il est prévu la possibilité que le juge constitutionnel soit saisi si on estime que ces ordonnances ont enfreint ou bien ont usurpé la suprême autorité de la Constitution. L'article 162 alinéa 2 de la Constitution de la République prévoit cette possibilité qu'on aille vers la Cour constitutionnelle pour qu'elle mette en néant l'acte du président de la République. C'est dit aussi dans l'article 43 de la loi de l'année portant. Alors, je voudrais qu'on continue. Mais vous ne faites pas tout cela. Vous n'attaquez pas ces actes en justice. Vous ne tentez même pas de recourir, des recours administratifs, ne fût-ce que ça, auprès de l'autorité qui les a pris. Vous décidez, vous dites, écoutez, ces actes-là sont nuls, ces actes-là sont anticonstitutionnels, ces actes-là sont invalides. Et cela, vous êtes un président de l'Assemblée nationale, vous êtes un président du Sénat. Où est-ce que vous avez appris que ces actes-là sont nuls? Ces actes-là ont violé la Constitution. Très bien. Vous êtes juriste. L'un, c'est un grand avocat dans ce pays. L'autre, c'est une grande juriste, une dame très intelligente qui a bien étudié, que j'apprécie beaucoup, une dame très respectable. Ils ont étudié tout ceci, et parfois mieux que nous. Ils savent que les actes du président de la République ne peuvent pas faire l'objet d'examen devant eux. Mais où est-ce qu'ils ont eu l'occasion de les pénétrer pour décider que ces actes seraient nuls ou violeraient la Constitution? Quand bien même ils refusent, ils s'obstinent à saboter en même temps la justice, à ne pas aller devant le juge. Et n'aimaient pas reconnaître le serment. Ils ont dit qu'ils ne reconnaîtront pas le serment. Tout cela, bon, voilà. Autre chose, d'abord c'est une rébellion. Maintenant, lorsqu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas le serment du juge, j'ai suivi le communiqué du PPRD. Et ça, c'est gravissime.
Ce parti, moi, je sais, comme je l'ai toujours dit, avait raflé tout ce qu'il y avait de crème intellectuelle dans ce pays. Nous, nous pensons qu'il y avait du raisonnement, il y avait du bon là-bas. Vous faites un communiqué, vous signez, vous lisez publiquement, vous dites, nous ne reconnaîtrons aucun acte que ces juges poseraient, que ces trois juges poseraient. Est-ce qu'ils peuvent me dire dans quel contexte un juge constitutionnel poserait un acte individuel qui leur serait opposé ou opposable pour qu'ils ne le reconnaissent pas? Qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement? Ils veulent tout simplement dire qu'ils ne reconnaîtront pas les actes de la Cour constitutionnelle. Ça signifie concrètement ça, Christian. C'est très grave. Et ça, on le fait parce que c'est dans ce pays que nous nous avons démocratisé. D'abord, nous ne soutiendrons pas les actes de la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce qu'on leur a dit que la Cour constitutionnelle tient des meetings où on les appellera avec foulard jaune et képi pour aller soutenir ces meetings-là? La Cour ne les appelle pas à aller soutenir ces activités. La Cour rendra ses arrêts qui seront opposables, je dis bien, erga omnes, et aux institutions et aux individus pris ou tinguli. Et de cette façon-là, en disant qu'ils ne reconnaissent pas les actes de ces trois juges-là, ça signifie que la Cour ne siégera pas, ça c'est clair, ou elle siégera avec eux, elle rendra les arrêts qu'elles ne vont pas reconnaître. Oui, c'est ça. Ça signifie concrètement qu'ils ne reconnaissent tout simplement pas l'institution judiciaire. Parce que la Cour constitutionnelle, si elle ne patronne pas un ordre juridictionnel donné, elle patronne l'institution judiciaire. Oui, mais elle vous dit déjà clairement que vous les avez achetés. Le Conseil supérieur de la magistrature est organisé. C'est cette cour qui gère, pas c'est son président qui gère le Conseil supérieur. Mozuto a dit clairement que cette cour fait fonctionner ou a un impact dans le fonctionnement de toutes les juridictions du pays. Monsieur Mozuto y compris dit... les TRIPE, les TGI, les TRICOM, les tribunaux pour enfants, parce que chaque jour ici, on y soulève des exceptions d'inconstitutionnalité qui suspendent même l'instruction pour que la Cour se prononce. Mais est-ce que vous... Et lorsqu'ils disent qu'ils ne reconnaissent plus la Cour constitutionnelle, ça signifie qu'ils ne reconnaissent plus l'institution judiciaire. C'est quoi la conséquence? C'est quoi le message? Ouais. Le message, c'est que ces hommes disent qu'ils ne reconnaissent plus le Congo comme État. Ils ne reconnaissent même plus l'Assemblée nationale au sein de laquelle est ils siègent, ou le Sénat, parce qu'ils se fondent chaque jour ici sur les règlements intérieurs, disent non, déclarés conformes à la Constitution. Mais lorsqu'ils auront des controverses autour de ce fameux règlement déclaré conforme à la Constitution, ils les apporteront où? Où comme Maman Mabunda et Maître Tambou Mwamba se sont désormais érigés en juges pour déclarer les actes du président de la République nuls, ils vont commencer aussi à trancher les problèmes là-bas, ils deviennent juges. C'est une rébellion et c'est une honte pour les hommes d'État de cette hauteur des hommes respectables. C'est une honte. Je vais le bien. Monde qui nous entend a honte à horaire. La nation a été souillée. Pouvons-nous avancer? Lorsque des hauts cadres de la République se mettent à dire, comme on a enlevé les juges, comme on a désagrégé la cour qui était nôtre, comme le ministre, l'honorable Lambert Mende l'a dit, nous ne reconnaissons plus la Mais il n'y a pas que... Y a pas c'est que Fayoulou aussi a dit la même chose. Mais Martin Fayoulou a dit la même chose. Maintenant qu'on doit avancer, oui. Parce que de toute façon, les juges ont prêté serment, ce qui reste à Madame Jeannine, à Maître Tambou Mwamba, c'est peut-être d'aller prendre les armes, comme ils en ont l'habitude, de faire la guerre. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas dit ça. Si on est ils n'ont pas dit qu'ils avaient besoin de prendre. Mais si on est républicain. Mais pourquoi vous ne dites rien si on sur Fayoulou et Mozuto? Si on est républicain alors qu'on est forclos, qu'est-ce qu'on fait? On s'était parce qu'on n'a pas voulu saisir la justice. Mais on ne s'était pas devant une injustice, on ne s'était pas devant une mais violation. Mais qui est de le juge de la justice? C'est le président du Sénat, c'est la présidente de l'Assemblée? Mais ces juges vont vous accuser de les avoir achetés. C'est tout à fait normal qu'ils ne reconnaissent pas ça en vous. Martin Fayoulou et le professeur Félix. Le professeur Félix, lui aussi, nous l'avons acheté. Quel professeur Félix? Le professeur Félix, Vundo, oui. Oui. Lui aussi, nous l'avons acheté. Lui, il était à la Cour constitutionnelle. On parle des juges. Et il... Oui, je parle aussi du juge. Oui, oui. Lui, il était à la Cour constitutionnelle, juge. En vertu de cette même constitution et de cette même loi, qui dit qu'après leur mandat à la Cour constitutionnelle, les juges
n'exercent pas de mandat public. Et le mandat de juge, c'est un mandat public, même si ça s'appelle Conseil d'État. Et ils l'ont enlevé de la Cour constitutionnelle. Ils ne nous disent pas jusqu'aujourd'hui en vertu de quelle loi. Qu'est-ce que j'entends les hommes du FCC et du PPR de dire, écoutez, le professeur Vondor, c'était normal parce que le Conseil d'État, c'est une juridiction prestigieuse. C'est ça la réponse qu'ils donnent. Donc c'était normal qu'on l'enlève à la Cour constitutionnelle. Vous allez violer aussi. Nous ne violons pas. Mais pourquoi vous essayez votre argumentaire sur les anciennetés des Kabila? Je vous dis qu'ils ont parlé de pratiques républicaines. Oui. C'est des pratiques républicaines. Vous savez que la constitution ici, à 90%, elle est muette. C'est même la raison pour laquelle on avait prévu les lois organiques. C'est en fait pour approfondir ce qu'elle dit et pour l'interpréter en quelque sorte. Et on a érigé un juge pour l'étudier. Mais la constitution, ce n'est pas le droit constitutionnel. Les gens se fourvoient parfois. La constitution, lorsqu'on parle de droit constitutionnel, elle n'est qu'une source comme les autres. Même si elle se prévaut d'avoir cette condescendance, cette supériorité sur les autres sources, elle est une source comme les autres. Là où elle est silencieuse, il y a d'autres sources pour l'interpréter. La coutume, par exemple, c'est une source. La coutume, elle se constitue de deux éléments. Généralement, l'élément matériel, c'est ce qu'on appelle la consuetudo, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques générales constamment, répétées. Hein? C'est-à-dire les pratiques générales constamment répétées. Et le deuxième élément, l'opinio iuris, c'est la conviction qu'en agissant ainsi, la nation dans son ensemble consent qu'elle est en train de pratiquer le droit. Mais ces nominations intervenues pendant toute une législature à la Cour constitutionnelle, ce n'était que des applications pratiques des dispositions constitutionnelles. Parce que lorsque Vundo est parti de la Cour constitutionnelle, nous n'avons entendu ni juge, ni magistrat, ni sénateur, ni opposant, ni parti politique dire que Vundo est parti en violation de la constitution de la loi organique. Tout le monde s'est tu. Très bien. Comme on dit parfois, les erreurs communes font le droit. Pouvons-nous et ici, lorsqu'on procède plus ou moins de la même façon, la seule différence, cette fois-ci, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature s'est assumé en vertu de l'article 82 de la Constitution. C'est lui qui est allé voir le président de la République pour dire non, le Conseil supérieur a proposé aux deux juges constitutionnels Oubou et Kilomba des postes prestigieux à la Cour de cassation, où ils ont déjà évolué, où qu'ils les retrouvaient comme président des chambres. Le Conseil supérieur leur a proposé ces postes-là. Ils ont accepté. Tu peux les nommer. Le président les a nommés. Très bien. On va évoluer. Du Conseil supérieur ce débat, on l'a fait longtemps. Comme l'article 80. Je voudrais qu'on évolue, voilà. Professeur. C'est vrai que ce débat, on l'a fait il y a longtemps. Mais alors, terminez votre raisonnement sur les probables refus ou le refus de ministre d'obéir au président, dans le cas où le président convoque le Conseil des ministres, à l'absence du Premier ministre, et si les ministres continuent, persistent dans la boucle. Le président n'a pas dit qu'il convoque le Conseil des ministres. S'il convoque. Il a suspendu le Conseil des ministres. Je crois que tout le monde a vu qu'il a suspendu le Conseil des ministres parce que personne ne le tient en dehors de lui. Mais ce qui est le plus important, c'est plutôt le Premier ministre qui devait s'assumer, aller jusqu'au bout. Ça veut dire la quoi? Logique. Ça signifie remettre sa démission. Mais pourquoi il remettrait sa démission? C'est ça la responsabilité. Pourquoi il le ferait? Pendant qu'on est Premier ministre, qu'on ne reconnaît plus l'armée de son pays. Parce que le haut commandement militaire dans son ensemble a été nommé par ces ordonnances-là. Lui, le Premier ministre, dit qu'il ne reconnaît plus l'armée. Pendant qu'on est Premier ministre, on ne reconnaît plus la justice de son pays. Pas la justice, mais les actes. La justice dans son ensemble. Ouais. Je t'ai démontré qu'ils ont dit en clair qu'ils ne reconnaissent plus la justice. C'est votre déduction. Pendant qu'on est Premier ministre, on ne reconnaît plus le président de la République. Il n'est plus président. Bon, maintenant, on veut rester Premier ministre. Pourquoi? Et ils veulent que le président démissionne. Non, moi, je crois que ce grand professeur, il est temps qu'il sorte avec honneur. Parce que ces gens, ils le ballottent comme ça, c'est pour l'humilier. Mais de toute façon, même s'il démissionne, la majorité qu'est-ce que lui cherche à envoyer un autre candidat. Un autre candidat. Oui. Oui. S'il démissionne, et maintenant là, il est du choix du chef de l'État de dire ou de demander soit que le PPRD et ses affidés proposent un autre candidat,
mais aussi il est de la liberté du président de dire qu'il n'en veut plus. Une façon de dire qu'il constaterait, par exemple, que cette majorité qui avait donné lieu et droit au PPRD de proposer le Premier ministre n'existe plus. Plusieurs hypothèses. La première, c'est celle qui consiste pour le président de la République, par exemple, après ses consultations, de dire « Moi, UDPS, j'ai quitté cette coalition. » Ça signifie que la coalition tombe. Non, comment ça, ça tombe? Mais elle tombe parce que l'été coalition, à partir du moment que d'autres partis politiques quittent cette coalition, elle tombe. Non, mais la majorité parlementaire est constituée de plusieurs partis. Si vous partez, elle continue, écoutez, la majorité parlementaire. Non, non, non. Bien sûr que oui. L'ILD de Katebokatoto a quitté. Si l'IDPS quitte, l'INC quitte. Maintenant, la question qui va rester, c'est de savoir, est-ce que la majorité existe toujours? Le FCC a 350 voilà. députés. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour savoir qu'il a 350? Mais vous n'avez pas besoin de le savoir. Est-ce que le FCC était aux élections pour qu'on sache qu'il a 350? Mais les regroupements circonstanciels que vous avez acceptés. Nous allons donc poser la question aux regroupements et aux partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée, qui étaient aux élections. Oui. Nous allons leur poser la question s'ils continuent d'appartenir à une majorité quelconque. Vous n'avez pas besoin parce qu'ils ont fait une déclaration. Non, ils ont dit qu'ils ont prêté serment de loyauté, de fidélité à leur autorité morale. Pius Mwabulu était à la prestation de serment. Il n'était pas à la loyauté là-bas. Ce matin, j'ai lu Casse Info, j'ai lu d'autres médias sérieux de ce pays ici qui ont dit qu'il y avait 138 députés qui manquaient au rendez-vous à Kingakati. Oui, mais... Mais lorsqu'il y a 138 qui manquaient... Je veux bien. Sur 350, lorsqu'il manque 138. Oui. Et lorsqu'on soustrait ceux de l'UDPS, lorsqu'on soustrait ceux de Pius Mwabulu, on va constater que la majorité a connu les secousses et s'est effondrée. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de l'institution parlement. Le président de la République va devoir nommer un informateur en vertu de l'article 78 de la Constitution pour identifier une nouvelle majorité. Une autre possibilité, une autre chance. Si on la trouve, tant mieux, on forme un autre gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez lire du discours combien limpide du président de la République. Il n'a pas dit autre chose. C'est ce qu'il a dit. Il va voir s'il y a lieu de reconstituer une nouvelle majorité et de former un nouveau gouvernement. Parce que c'est ça qu'il a dit, c'est en français. Si elles n'ont pas compris, c'est ça que le président a dit. Et s'il ne trouve pas cette majorité, si l'informateur ne trouve pas cette majorité, nous avons 6 mois pendant lesquels on constatera qu'il n'y a pas de majorité. En tout cas, c'est la même loi là sur la libre administration des provinces définit le seuil de l'absence du gouvernement pour comprendre qu'on est déjà dans la crise persistante. Et on va rentrer aux élections, poser la question avant de rentrer, au peuple souverain. Oui, avant de rentrer, il nous reste 7 minutes. Avant de rentrer aux élections, ça veut dire qu'on va rentrer aux élections. Avant de rentrer aux élections, ça veut dire qu'on aura dissous l'Assemblée nationale. On n'est pas obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. La réqualification, vous voulez dire? Non, on a besoin de constater qu'aucune majorité ne s'est dégagée. Et le président nomme un informateur. C'est après l'informateur. Oui. Si le travail de l'informateur s'avère infructueux, au bout de 6 mois, on va aux élections parce qu'aucune majorité... Mais comment on ira aux élections sans dissoudre l'Assemblée nationale? On constate qu'il n'y a pas eu de majorité, on rentre aux élections. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de dissoudre. Non, mais quel est l'acte qui va consacrer le retour aux élections? Si tu peux lire l'article 28, alinéa 2. Tu veux lire ça? Donc, de la loi que j'ai évoquée, la loi de 2013 sur la libre administration. Non, je n'en ai pas ici. Qui vient modifier la loi de 2018. Okay. Tu comprendras l'esprit de cette démarche-là. Okay. On dissout, la dissolution, c'est dans une autre hypothèse. On ne dissout pas par absence de majorité. Oui. Mais ici, la majorité n'a pas existé. On a fourni tous les efforts, elle n'a pas existé. On rentre aux élections. C'est ça le principe. Pouvez-vous lire ces documents, s'il vous plaît? Accord pour la stabilité et la paix au Congo. Entre les sous-signés, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, oui, je crois avoir lu ce document. Un document comme ça sur la toile. Oui. Je le vois signé. Et en tout cas, je ne connais pas la signature du président, de l'ancien président, du président honoraire, Joseph Kabila. Je vois quand même une signature qui est à poser sur son nom, mais je vois un accord de 3 articles
Premièrement, article 1er, cet accord est intitulé Accord pour la stabilité du Congo. Hein. Article 1er, immunité totale pour le clan Kabila, famille et dignitaire de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis, crimes de sang, crimes économiques et autres. C'est même criminel. Ça signifie quoi? Je vois, si l'accord est un accord vrai... Bah, on est encore dans l'hypothèse. Hein, si c'est un accord vrai, je vois qu'il y a un demandeur d'immunité pour les crimes qu'il a commis, et parmi lesquels il cite les crimes de sang. Qui sont imprescriptibles. Qui sont des crimes imprescriptibles, ouais. Y compris des crimes économiques. Ah, même les crimes économiques sont des crimes imprescriptibles. Ah, d'accord. Et il cite les crimes de sang, et puis il dit « et autres ». Et autres, là, ça signifie les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, et tout ça et autres. Donc, il cherche l'immunité. En lisant seulement cet article, l'accord, même s'il était un accord, il est nul. Parce que l'objet est illicite. Parce que l'objet est illicite. Donc, il stipule sur les matières indisponibles. Voilà comment on appelle ça en droit. Il stipule sur des matières indisponibles, des matières qui ne sont pas à la portée des co-contractants. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Hein, j'ai dit, nous allons dans l'hypothèse où c'est un accord. D'accord, très bien. Deuxième élément, concertation entre les deux leaders. C'est ce qu'est dit Kabila. Avant toute mise en place magistrature, entreprise publique et territoriale. Voilà un autre problème. Il s'agit d'un coprésident. Bon, d'une coprésidence. Non, pas seulement ça. Concertation entre les deux leaders. C'est-à-dire que le gouvernement même dont il se prévalent aujourd'hui n'existe même pas dans cet esprit. Parce que ça, c'est de la compétence du gouvernement qui propose au président de la République. Mais la territoriale, elle fait l'objet d'une loi. Elle est élective. Et en l'absence de l'élection, une loi prévoit que c'est le président de la République qui nomme sur proposition, pas du gouvernement, du ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a débat au Conseil des ministres pour ça, non? Mais moi, je te lis le libellé de la loi. Okay. Le président nomme sur proposition du ministre de l'Intérieur. Donc, encore que si c'est un accord illicite, parce que contraire à la légalité établi. Troisième élément, soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, famille politique de Kabila. Troisième élément du FCC, je t'ai dit qu'il n'existe pas, parce que pour signer un accord, l'un des éléments pour qu'un accord soit valide, c'est la capacité. Il faut avoir la capacité, la qualité pour conclure. Le FCC n'existe pas, il n'a pas qualité de conclure. Comment une fiction, un vide va conclure? Mais le plus important ici, je vois des témoins, Uhuru Kenyatta, Al-Sisi d'Égypte, Cyril Ramaphosa, des présidents de la République, en tout cas qui peuvent avoir signé virtuellement, parce qu'ils n'ont pas été au pays, ça c'est pas un problème. Mais je vois des témoins atypiques ici. Mais il y en a qui sont morts, donc on peut ça... J'ai dit des témoins atypiques. Des généraux d'armée, témoin d'un accord entre des partis politiques ou des citoyens, des généraux d'armée, à imaginer même que c'était un accord et que l'on sorte un jour pour s'en prévaloir, la place de cet homme, c'est en prison. Ça signifie concrètement que si c'est un accord, on imagine une extorsion des généraux Kayimbi, Mbala, Numbi, Amissi et autres. Non, je n'ai aucune raison de croire, croire en ce chiffon dont la place, c'est bien la poubelle. Mais la question... Je ne m'imagine même pas que le sénateur Kabila lui-même soit parti à un tel accord. Moi, je ne crois pas aussi. Tel qu'on le connaît quand même. Il ne faisait rien sans Bouchab, il ne faisait rien sans
il a des gens... Des, bon, il y a eu quand même un démenti. Il paraîtrait que ces documents donc, viendraient de vous, l'IDPES. C'est vous qui avez fait ça pour vous faire la diversion. L'IDPES ferait la diversion pourquoi ça ils ont parlé de l'accord. Oui, mais Kabila a dit qu'il y avait un accord. Oui, Chadar a dit qu'il y avait l'accord. Lui aussi, Kabila a dit Chadar a dit qu'il était le seul témoin. Oui, oui. Mais Kabila, lui, a dit qu'il y avait plusieurs témoins. Pas Chadar. Oui, oui, plusieurs témoins. Il a dit les États. Oui, les États. Nous, nous attendons qu'on nous sorte. Il a dit qu'il viendra avec une copie et il va lire ensemble. Qu'on nous sorte l'accord. Professeur. Et au finish, on conclut Kabila dans la position d'un suzerain, donc un propriétaire d'une terre qu'il trafique, qu'il négocie. C'est ça, en fait, l'esprit, si c'est un accord, non? Mais est-ce que vous sentez que c'est quelqu'un qui vend son bien? Oui. Son bien, le Congo. On veut bien. Mais le bien de sa famille. Vous, pour avoir été, voilà, pour le fait d'être cadre de l'UDPS, je le pose cette question, la République vous écoute. Est-ce que vous avez entendu, vu un document, un contrat pré-électoral établissant Félix Tshisekedi comme président post-électoral? Y a-t-il eu des ententes entre Kabila et Félix Tshisekedi dans ces sens-là? Mais pourquoi il y en aurait? Parce qu'ils avaient leur candidat, nous avions le nôtre. Moi, je sais que pour sceller cette alliance, il y a un accord qui a été signé de manière très publique entre l'honorable Jean-Marc Kabunda et Némi Moulagne. Et si Kabila nous sort un accord, qu'allez-vous faire? Où l'on verrait vraiment la signature de Félix Tshisekedi? Nous attendons qu'il sorte l'accord. Nous attendons qu'il sorte l'accord, si long qu'il sorte, qu'on le lise encore, que nous sommes déjà avec toi ici dans cette hypothèse que quel que soit le contenu d'un tel accord, il est nul par essence. Très bien. On a terminé ce débat, mais avant de conclure, les consultations ont commencé. Mais puis après, on a vu tout, hein. On a vu la CENI, on a vu beaucoup de choses. C'est pour quelle fin? Moïse Katumbi a déjà annoncé son arrivée. C'est pour quelle finalité? Le président a dit qu'il consulte, il va revenir vers nous. En tout cas, moi, je ne suis pas dans les secrets du roi. Il va revenir vers nous et il consulte les forces politiques les plus représentatives, il l'a dit. Et qu'à l'issue de ces concertations, il n'écarte aucun cas de figure. Moi, je sous-entends la possibilité qu'il revienne vers nous pour dire, bon, les griefs que j'ai décelés et qui sont tous imputés au FCC, qui bloquent le fonctionnement rationnel et régulier des institutions, ont été élagués, par exemple, une hypothèse où le FCC se serait probablement amendé pour dire, maintenant je deviens sincère, on va évoluer de manière sincère. C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est celle pour le président de la République de constater qu'il a affaire à des hommes impénitents, incorrigibles, et qu'on ne peut plus faire autrement, de remballer le Premier ministre, et éventuellement, s'il trouve encore possible de travailler avec les autres de ce camp-là, de demander qu'on lui propose un autre Premier ministre. Troisième hypothèse, c'est celle de dire on a trouvé une autre majorité qui comprend l'esprit du président de la République et le projet qu'il a sur le Congo. Cette hypothèse s'inscrit dans la logique que le Parlement est actuellement composé d'une quarantaine ou cinquantaine de forces politiques. Il n'y en a pas deux. Ça signifie que ça peut être mouvant. Hein? Le PPRD peut nous rejoindre, les jeunes de l'IDPS, et que l'ILD ou AAA refusent de venir pour qu'on fasse ensemble. Et ça, c'est la troisième hypothèse d'une recomposition de la majorité. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de secousse sur l'institution Parlement, mais seulement que les gens peuvent redéfinir le projet du gouvernement autrement et se souder autour d'une autre idéologie ou d'un autre idéal, d'un autre programme de gouvernement. Quatrième hypothèse, enfin, c'est le cas où tout cela n'est pas probablement possible, le président va dissoudre l'Assemblée et renvoyer les députés devant le peuple pour que le peuple nous départage afin de voir dans quelle mesure on peut aller avec une majorité homogène. Parce que l'actuelle majorité, je t'ai dit, disent majorité FCC, non. Le président de la République
n'est pas un opposé de cette majorité. Il est membre et chef de la majorité au Parlement. Le président de la République ? Oui, c'est ce que ni le Premier ministre ni les deux présidents de chambre ne comprennent pas. Nous sommes dans un régime, je t'ai dit, semi-parlementaire, semi-présidentiel. Ce régime pose en son article 80, en l'article 92 de notre Constitution que le président de la République partage le pouvoir réglementaire avec le Premier ministre. Et en cela, le président de la République qui partage le pouvoir réglementaire avec le Premier ministre, ce n'est pas un monarque belge ou un président israélien. Il règne et gouverne. Mais le Premier ministre ne règne pas. Le Premier ministre gouverne seulement. Mais le président de la République règne et gouverne. En vertu de l'article... Et que 92 de la Constitution. Et que dans cette hypothèse, lorsque plusieurs partis politiques mettent ensemble leurs députés, ils font la majorité. Et que le président de la République se trouve dans cette majorité-là, nous ne sommes ni dans la cohabitation, ni dans la coalition, comme on appelle là. Dans les régimes politiques, dans les théories des régimes politiques contemporains, c'est un cours qui s'enseigne bien à la faculté des sciences politiques, c'est notamment sciences politiques en relations internationales, on appelle ça couplage. Oui. Et dans le couplage, le régime devient un régime plus présidentiel, parce que le président de la République devient le décideur de tout. Il peut nommer qui il veut. C'est un peu comme ça fonctionnait avec Kabila. Okay. Parce que la majorité lui appartenait. Oui. C'est comme dans le cas ici. La majorité appartient au président de la République. Théoriquement, on va dire. Elle appartient au président de la République. Parce que nous sommes dans ce couplage-là. Parce que s'il appartient au président de la République, parce que comme la majorité parlementaire et la majorité présidentielle appartiennent au même camp, et le président de la République en devient le chef, nous sommes dans un régime un peu plus poussé vers le régime présidentiel américain. Et là, le régime devient un peu un régime, pas de séparation des pouvoirs, mais il est un peu plus poussé vers l'indépendance des pouvoirs. C'est ce que les gens ne semblent pas vous dire. Donc, dans cette hypothèse ici, si le président veut que l'on aille dans une cohabitation réellement, ou s'il veut aller dans une cohabitation, il faut qu'il trouve une majorité qui exclut le président de la République, dans laquelle il ne serait pas. Comme ça, il cohabiterait avec le président de la République. Mais pour trouver cette majorité, le président honoraire, Joseph Kabila, et son parti politique, le PPRD, doivent devoir négocier avec une trentaine ou une quarantaine de partis politiques qui étaient partis aux élections parce que le FCC n'était pas aux élections. Très bien. Il ne faut pas continuer de parler du FCC, du FCC. Le FCC n'était pas aux élections. Les gens qui étaient aux élections, c'est des Pius Mabilou, des Patrick Bologna, des Katebuka Toto, qu'on a chassé. Vous ne citez que ceux qui veulent partir. Hein? Non, je ne cite pas des gens. Est-ce que Patrick Bologna t'a dit qu'il veut partir? Moi, je sais que l'honorable Modeste Bati, il était aux élections. Il a eu beaucoup d'adhérents dernièrement encore qui ont renforcé le groupe. Et puis, et puis aujourd'hui, il y a deux AFDC et tout ça. Il n'y a pas de AFDC. C'est ça la quand même étonnant, quand même. Hein, sous Fatshi, le dédoublement continue. C'est ça le déni. C'est ça le déni. La culture, là. Après autant de jours, la question a été posée au ministre de l'Intérieur, qui, en vertu de la loi sur les partis politiques, c'est l'autorité qui enregistre les partis politiques. Et que le ministre a conclu que le ministère de l'Intérieur, y compris la CENI, ne reconnaissent qu'un seul regroupement politique appelé AFDCA, dirigé par Modeste Bati. Il n'y en oui, a pas deux. On reconnaît, mais ça ne produit pas les faits, on le sait tous. Je crois qu'on reviendra sur une autre question. Je crois qu'il sera consulté comme patron de FDCA. Oui, on verra les actions après. Et qu'il sera le seul à être consulté, par celui, le patron de ce regroupement-là. Merci donc, beaucoup. Notre loi ne reconnaît pas les plateformes électorales, les cartels électoraux, comme on dit là. Non. La loi sur les partis politiques, elle porte sur les partis politiques et regroupements politiques. Le FCC n'est jamais passé au ministère de l'Intérieur. C'est une plateforme, tout simplement. Merci beaucoup, professeur Tulumbayi. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes avocat, vous êtes internationaliste, j'arrive quand même à le dire. Vous enseignez dans deux grandes facultés dans notre pays, les Sciences Po et puis le droit. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois qu'on évolue, on attend que les choses se passent. Certainement à la fin de la semaine, on va revenir pour parler, si en tout cas, s'il n'y a pas une troisième réunion des ministres. Non, je sais que troisième absence. Nous invitons, moi, on reviendra.
on doit inviter nos amis du PPRD plus précisément, parce qu'on leur reproche beaucoup de choses, hein, par les gens qu'ils veulent subjuguer. Tu vois un peu l'histoire du FCC, là. On nous ramène à la date, là, avant le 24 avril 90. Lorsqu'on a dit fini les partis État, maintenant c'est le multipartisme intégral, vous formulez ça autrement. Vous prenez les partis politiques, vous dites moi je suis l'autorité morale. C'est en fait un parti unique qu'on veut créer. Tout ça, c'est condamné. Le temps nous aura manqué, le temps vraiment. Pour parler certainement des propos de Joseph Kabila, on en parlera peut-être un autre jour, si vous le permettez. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez passé plus d'une heure à suivre ce débat. C'est vrai que quand je reçois le prof Tshilumbaï, ça me permet de beaucoup apprendre. Non seulement de beaucoup apprendre, mais ça tourne les ménages parce qu'il est terriblement subtil, il est profond dans ce qu'il dit. Il faut le suivre pour comprendre effectivement la teneur de ses propos. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain pour continuer. Portez-vous bien, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Digilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Digilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Digilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur Digilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Oh.